Et voilà, ça y est, j'ai fini par obtenir mes résultats. Ils sont ici. Voilà, donc comme vous pouvez le constater sur iStorm, j'ai fait 85 046. Sur CloudGate, 8416. Et sur FireStrike, 1870. Je ne suis pas peu fier. Donc voilà, vous pouvez contrôler la situation. Donc on retrouve un petit peu les infos qu'on avait sur HW Info. La quantité de mémoire, le processeur, la carte graphique. Et globalement, les résultats que j'ai fait, donc le résultat physique, le résultat graphique, voilà. Donc là, en fait, je suis assez fier de moi, je suis assez content. J'ai hâte de voir vos résultats. Moi, je vais poster cela, bien sûr, avec ma vidéo prochainement. Et je lirai les vôtres. Voilà, prenez soin de vous. Et merci donc pour cette partie. Il y a une suite dans le tutoriel parce qu'on n'a pas tout vu encore. Une dernière petite chose qu'on va voir ensemble, c'est que je me rappelle l'indice de Windows, la référence du processeur et le disque dur. Voilà, ce sont les dernières choses qu'on va voir ensemble pour conclure ce long tutoriel, mais un tutoriel nécessaire pour bien comprendre, bien réussir à étudier les périphériques. Bien sûr, vous pourrez passer toute la partie 3D Mark si ça ne vous intéresse pas, hein, je vous le rappellerai. Merci, à tout de suite.